Moins incandescent, c'est une pièce qui parle d'une tribu, une hypothétique famille comme ça qui part en voyage, qui cherche quelque chose d'essentiel. Avec tous les dangers qu'on subit en ce moment dans nos sociétés, les pandémies, les pertes écologiques, cette espèce de stress qu'il peut y avoir autour de nous, j'ai voulu rendre, moi, physiquement, ce qu'on ressent, ou peut-être même les jeunes gens, ce qu'ils ressentent dans nos sociétés actuelles. C'est-à-dire qu'on est en danger, on est dans une espèce d'urgence, on est dans une espèce de romantisme aussi un peu dramatique, et j'ai envie de le rendre physiquement. Donc l'histoire, c'est ces gens-là, ces 8 danseurs-là, arrivent sur scène, se préparent et partent en voyage. Et dans leur voyage, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de trous, de bosses, d'improbabilités, de temps comme ça qui se suspendent, qui s'arrêtent, de solidarité, de choc, d'amour. Et c'est juste là-dessus que j'ai voulu travailler. Et le groupe ensemble fait un corps. Le corps est un et le groupe est un. Et en même temps, dans ce un, dans ce collectif, chacun est individuel. Tous ces allers-retours entre une chose et son contraire sont très importants.